Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là et que tout fonctionne correctement. Bonjour ma filleule, comment ça va? Ça y est, t'es connectée. Ça fonctionne correctement, c'est génial, merci beaucoup. Ok, nickel. Si tout va bien, c'est nickel. T'as vu, j'ai réussi à me couper ce matin avec le coupe-papier, tout simplement. Hop, petit bobo doigt. Hey, c'est dangereux de faire du scrap aussi. Attention à la lame en dessous. Donc aujourd'hui, on va faire ta petite carte. Je vais attendre deux, trois, deux, une petite minute là pour voir si tout le monde se connecte. Coucou Isabelle, parce que j'ai l'impression que maintenant, avec ce qu'ils ont changé sur Facebook, là, les connexions, c'est plus les mêmes. Enfin. Je trouve que c'est un peu galère en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde est de mon avis. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Il y a du monde qui arrive. C'est super chouette. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous faire la carte bombée de ma filleule Virginie qu'on avait fait pendant la réunion lignée il y a 15 jours. Ouais. Donc voilà, je vais mettre quelques petits projets de mes filleules en avant. Elles partageront avec vous, selon les possibilités, le tuto. Moi, j'ai juste réadapté juste un chouïa les mesures, mais vraiment pas grand-chose, juste pour que vous galérez un peu moins. Mais ça va aller. Donc, elle nous avait fait faire cette carte-là. La carte bombée qui est vraiment très, très mignonne avec le nouveau papier design qui est au catalogue. Hein. Donc, voilà. Elle est vraiment mignonne. Et bah, moi, je l'ai refaite de cette manière-là. Avec un papier qui est actuellement sur la boutique en ligne. Donc, je vous ai mis la référence. Hein, si c'est la référence 160039, elle est dans les promotions. L'avantage, c'est que c'est un lot de papier avec 48 feuilles. C'est à 5,60 au lieu de 14 euros. Donc, si vous voulez profiter encore une fois de ce papier design qui s'appelle Tous Ensemble, n'hésitez pas. D'accord? Il est sur la boutique en ligne dans les promotions. Donc, je trouve sympa de changer un petit peu. Comme ça vous montre un petit peu ce qu'il y a en promo aussi. Il y a tout un lot de feuilles. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je ne m'en reste plus beaucoup, effectivement. Mais voilà, c'était ce papier-là. Hein, on peut la sortir avec vraiment toutes les couleurs. Vu que c'est du noir et du blanc, du coup, on peut colorier, on peut faire plein de choses. Je le trouve vraiment génial. Il y a 48 feuilles à l'intérieur. Il coûtait à l'époque 14 euros. Là, il est à 5,60 sur la boutique en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas. La carte d'origine a été faite sinon avec le papier design qui se trouve à la page 129 du catalogue. Donc c'est le papier auberge de campagne. Voilà, c'est comme ça si... Et vous avez les couleurs en dessous avec lesquelles ils vont. Oups, sous le doigt. Ouais, le massicot, des fois, voilà, j'ai râpé, je me suis fait avoir, donc ça a beaucoup, c'est pas méchant, mais ça a beaucoup saigné, donc j'ai mis un pansement pour éviter de tacher le papier. Donc voici le projet, donc on voit pas beaucoup la modification parce que je l'ai vraiment très très peu diminué, hein, juste pour ne pas vous faire des 0,4, des 0,3, voilà. C'est vraiment pour ça que je l'ai diminué, c'est pas pour autre chose. Ah, j'ai pas coupé mon téléphone. Alors, excusez-moi, 2 petites minutes. Donc voilà, ça c'est la présentation un petit peu. Je coupe juste le son de mon téléphone, voilà, comme ça on ne sera pas dérangé. C'est un petit peu la présentation du projet d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est simple à réaliser, c'est joli. Vous pouvez mettre une photo, hein, à la place du petit texte ou tout simplement, voilà, ça peut faire un petit cadre aussi. Donc voilà. Pour ceux et celles qui vont arriver par la suite, moi je ne me suis pas présentée, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. J'ai ma boutique en ligne si vous avez besoin de matériel Stampin' Up. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe Stampin' Up, n'hésitez pas aussi. Voilà, pour tout le reste, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors,
Elle est vraiment magnifique. Félicitations à Virginie qui est avec nous, hein, qui m'a montré ce projet-là. Je le trouve superbe. Et j'ai l'intention, voilà, sur les prochains, là, je vais faire les caisses. Je vais refaire le tri de mes caisses pour ressortir les vieux swaps que j'ai reçus. Et je me suis dit, c'est sympa finalement de les réadapter et de les mettre à jour afin d'en faire profiter un plus grand nombre. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, on va commencer. Ça va pas être compliqué ici. Du coup, elle a travaillé avec nous papier design, avec le papier aussi qui est dans le catalogue. Ici, j'ai travaillé avec celui qui est sur la boutique en ligne en promotion. Je vais continuer sur cette lignée avec... Là, je vais prendre du Copacabana parce que, petite confidence, je n'ai plus de noir, je n'ai plus de blanc. Mais par contre, je trouve que ça va très bien parce qu'en fait, je ne me suis pas amusée à colorier le feuillage. Mais si vous le coloriez avec le béguin bleu, par exemple, ça va, là, ça va très bien ressortir et ça va être super. Voilà. Et puis, je suis là, il suffira de le colorier avec du Copacabana. Voilà. Donc, on va venir... J'ai mis où mes petites mesures? Elles sont ici. Hops. Donc, on va commencer par le papier uni. Je vais essayer de rester assise. On va en prendre donc, sur une feuille, hein, tout simplement. Je vais ouvrir mon papier pour être à l'aise. Je vais venir couper à 14 cm. Ouais, si je coupe, c'est mieux que je prenne l'autre. 14. Et je vais tourner, je vais couper à 10 au lieu de 10,5 dans le projet de Virginie. Donc, je coupe à 10. Hop, une fois. Deux fois. Je recommence avec l'autre morceau de papier. Donc 14 par 10. Finalement, vous avez 4 morceaux de 14 par 10 cm. Et on va venir marquer des plis tout simplement à 5 cm. Donc on a 4 papiers de 14 par 10 avec un pli à 5 cm. Voilà, Nathalie, vu que tu l'as reçu, tu vas pouvoir le faire en même temps. Je crois que dans le kit, il est pré-plié, pré-découpé. Donc, plus qu'à suivre ce que je vais faire et t'amuser. Donc, voilà, il y a peut-être ton étiquette à tamponner. Donc, j'ai 4 morceaux qui font 14 par 10 cm avec un pli à 5 cm sur les 4 morceaux. Voilà. J'ai tout simplement réduit pour éviter le pli à 5,25 par exemple, vous voyez. J'ai fait la feignante, mais c'est pour vous arranger aussi quelque part. Hein. Voilà. J'ai mes 4 morceaux qui sont là. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc j'ai mes 4 morceaux qui font. Je répète. 14 par 10 cm avec un pli à 5 cm. Ok, je vais les mettre de côté et je vais couper mon papier design. Pour le papier design, il va me falloir 8 morceaux de 13,5 par 4,5. Donc 13,5, hop. Alors, attention au sens du papier design. Là, je coupe à 4,5. Donc j'en ai un. 2, 3. Alors oui, sur les 15 par 15, vous pouvez en faire que 3 par feuille. Alors 13,5, on a dit par 4,5. 1. C'est plus compliqué de travailler assis, je trouve. Je sais pas si tout le monde est de mon avis, mais j'essaie de rester assise, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, donc ça m'en fait 6. Il m'en manque 6, 7, 8. Il m'en manque 2. La fille qui sait plus compter. Hop. Alors, 4,5. 8 papiers design qui font 13,5 par 4,5. D'accord? Donc jusqu'à là, tout va bien. On va les mettre de côté. Ok?
Alors, là où j'ai pris un petit peu d'avance, c'est que j'avais deux papiers design qu'on vient de découper avec nos dies. Donc, le papier les deux papiers design qu'on vient de découper avec nos dies. Moi, j'ai aussi modifié la mesure. J'ai fait du... Alors, dans ce sens-là, du 11,5 et dans ce sens-là, du 12,5. Un pli à 1 cm sur chaque côté du papier et je suis venue découper ici avec le troisième dans le lot là, hop, celui-ci qui va avec le papier design. Vous en avez 7 dedans, c'est les poinçons contour champêtre, d'accord. Et celui-ci, j'ai pris le troisième. Alors, 1, 2, 3, voilà, le troisième pour découper. Ici, mon papier design. Donc ça, c'est fait. Hop, on va le mettre de côté. Ok. Ensuite, j'ai aussi découpé deux petites étiquettes. On avance avec mes deux autres étiquettes que je viens superposer. Bon, on aurait pu laisser juste celle-ci. Donc après, voilà, j'ai pris les plus petites en dessous. Et là, il va me manquer... je vais prendre... du papier, hop, ici, il m'en faut deux de 6,5 par 2 cm, donc je vais faire du 4 comme ça, après je le recoupe. Si je fais du, je ne vais pas faire de bêtises là, attendez, hop, 4 par 6,5. Voilà. Je vais marquer un pli à 1 cm. Vous allez comprendre pourquoi après. À 3 cm. À 3,5. Et un dernier pli, en fait, sur les 1 cm à 5,5. Comme ça, voilà, je vais vous redire. Donc, j'ai pris un papier ici qui fait 6,5 par 4. J'ai marqué un pli à 1 cm, 3, 3,5 et 5,5. Donc là, je vais me retourner et je vais le couper ici à 2 cm pour avoir deux morceaux, en fait. Pour avoir deux morceaux de 6,5 par 2. Donc voilà, on a tous nos plis et toutes nos découpes. Est-ce que c'est bon pour vous? Après, vous n'êtes pas obligé de couper par 4. Hein. Si bien sûr, vous avez des chutes, vous utilisez dans vos chutes. C'est bien plus logique. Ok, je vais mettre ça de côté et je vais pousser le coupe-papier. Hop. Je cherche la place. Voilà. Je vais mettre en dessous. Si je ne fais pas tout tomber. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon plioir os. Et je vais m'amuser à récupérer mes petites... les premières découpes là qu'on avait faites. On va marquer le pli. Et ce qui est très important aussi, c'est de venir appuyer comme ça. Voilà. On va marquer tous les plis. Hop. Et bien sûr, toujours le pli. Là, on a marqué le pli comme ça, donc on casse comme ça, ok? J'ai mes quatre papiers qui sont pliés. Est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi tout. Odette, tu fais ton rangement à ton tour. Bon, c'est bien. Donc voilà. On a nos quatre papiers qui sont pliés. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est coller tout simplement nos designs à l'intérieur de chacun des papiers. Et mieux vaut le faire à plat plutôt que une fois que c'est collé. Après, ça, c'est une question aussi de choix. D'accord? Donc, moi, je vais les coller tous comme ça. Si vous avez du papier design recto verso que vous avez envie d'utiliser de côté, faites attention pour la suite du collage. Vous pouvez en faire deux d'une couleur et les deux autres d'un autre papier design. Ok? Allez, c'est parti. On va coller ça déjà. Comme ça, ça va vous parler. Hop. Alors, est-ce que ma colle n'a pas fait de dégâts? Oh, c'est trop coulé.
Donc, je colle le premier. Alors, est-ce que je vais être droite en étant assise? Vous pensez quoi? Vous en pensez quoi? Hop, je vais y arriver. Allez, j'essaie de ne pas me lever de tout le live. Hein. D'accord? Si vous me voyez debout, vous mettez une petite tape sur les doigts. Comme ça, je préserve un petit peu mon petit dos qui a un petit peu mal en ce moment. Donc, voilà. Ça s'est collé. On va reprendre un deuxième. Et on va venir coller aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si je les mets tous en cœur ou si je mets aussi les mains. J'aimais bien ce côté cœur en fait. J'aime bien le partage des mains, mais on l'aura sur le plus grand papier. Donc, je pense que je vais laisser comme ça quand même. Je suis une petite vilaine. J'ai fait mon choix. Hop. Là, c'est collé. Je pensais que je l'avais collé celui-ci. Elle est vraiment sympa cette carte et vous pouvez vraiment mettre une petite photo. Ça peut être sympa à offrir. Alors, il y a deux façons de coller après l'intérieur. Je vais vous montrer. Façon 1 si on veut envoyer la carte à plat ou façon 2 si on veut la laisser vraiment bomber. Ok? Je vais essayer de vous expliquer ça au moment du collage. Donc moi je garde tout le même papier design, mais après voilà, je vais vous montrer si vous faites des papiers design différents. Je vais vous expliquer comme sur l'autre carte. J'aime beaucoup ce papier là parce qu'on peut vraiment le colorier, l'adapter dans toutes les vraiment l'adapter dans toutes les situations. Il est vraiment sympa. Hop. Il m'en restait quelques feuilles, donc quand j'ai vu qu'il était encore en promo, je me suis dit bon, ben, je vous le montre hein, parce qu'il est vraiment très très sympa. Et le petit cœur hein. Et les deux derniers papiers. Voilà. Alors, hop, Virginie, tu peux mettre en commentaire si tu veux ta page Facebook avec tes projets, que les gens puissent te découvrir. Il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Ça peut être sympa qu'elles aillent liker ta page si tu le souhaites. Et le scrap, c'est avant tout un partage, donc n'hésitez pas à partager. Donc voilà, maintenant je vais les coller dos à dos. Ok, j'en ai deux comme ça là. Vous aimez bien la couleur? Vous aimez bien le petit cœur? Dites-moi en commentaire. Hop, on va les coller dos à dos. Là, je vais avoir plus de mal en restant assise, mais bon. Quoique, on va devenir la championne de assise. Voilà. Déjà, dans un premier temps, j'ai collé comme ça. Ok. On va tourner, on va coller le deuxième là. En fait, on va les joindre tous ensemble. Alors, attendez. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour à toutes celles qui arrivent et à qui j'ai pas dit bonjour personnellement. J'espère que tout le monde va bien. Et que le live vous plaît, le projet vous plaît. Donc on joint bien comme ça. Hop. Et le dernier, en fait, on va le joindre là. Et tout à l'heure, je vous disais que si, par exemple, vous avez utilisé des papiers design différents, non, là, c'est les mêmes. Est-ce que je l'ai changé là? Ah non, j'ai utilisé partout le même, en fait. On pourrait très bien mettre quatre différents ici. Et quatre différents là en fait. Après ça dépend du collage, ok? J'adore le Copacabana, je le trouve très beau comme papier. La couleur, j'adore vraiment beaucoup. Hop, on va coller le dernier. Et déjà dans un premier temps, on a fait la base de la carte, ok? Donc,
pour la base de la carte, elle est collée. On peut se mettre à plat et la coller complètement. Voilà. Si vous avez envie de l'envoyer par courrier, je vous conseille de ne pas faire trop le bombé. Par exemple, sur les cadres qu'on a fait ici, je viens marquer mes plis. D'accord, je vais vous expliquer. Je marque mes plis comme ceci. Et si toutefois vous avez envie de l'envoyer à plat, il faudra la coller à plat. D'accord ? Mais vous aurez moins l'effet bombé. Du coup, une fois qu'elle est collée à plat, ce sera légèrement bombé, mais pas de trop. Ok ? Après, ça, c'est un choix. Là, ma carte, elle est vraiment... Si je ne peux pas la mettre à plat, vraiment, en fait. Ça va pas être possible. Ok ? Ça va m'écraser mon bombé. Donc après, ça, c'est un choix. Et c'est pareil, pour la mettre à plat complètement. Alors, attention. Les deux petits morceaux de papier qui sont là, je les ai modifiés aussi pour avoir... Ça, c'est important. Cette carte, elle ne peut pas du tout se mettre à plat. Parce que j'ai fait un renfort avec ce petit bout ici. D'accord ? Qui ne fait pas à plat. Or que sur celle-ci d'origine, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est collée... Tout simplement, je ne sais pas si vous voyez, elle est collée sur le pli. D'accord ? Ça veut dire que je peux la mettre complètement à plat. Ok ? Même si ça écrase mon bombé, je peux la mettre à plat et l'envoyer par courrier. Si vous faites cette technique-là, vous ne pourrez pas la plier en fait. Parce que ce bout-là va rester en relief. Ça, c'est important de faire attention quand vous faites votre carte, ok? Moi, j'ai donné cette mesure-là. Donc, 6,5 par 2 cm, j'ai fait un pli à 1, 3, 3,5 et 5,5. Maintenant, si vraiment vous voulez pas avoir ce petit truc, il suffit juste de faire un pli ici au milieu, d'accord? Sans avoir ce petit écart. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que j'ai trop dit de choses là? Pouvez-vous me dire si c'est bon pour vous? Pour comprendre les différences. Ouais, après ça met un peu de temps avec la connexion sur l'ordinateur, mais voilà, j'espère que c'est clair. Donc sur l'origine de la carte, je répète, on peut l'envoyer à plat parce que je n'ai pas fait de bombé. Ok, sur je sais pas si à la caméra, voilà, si je me mets comme ça, vous voyez, donc la carte là, elle est collée uniquement sur le pli et ça se colle facilement, d'accord? Par contre, faites attention, si vous faites ma technique à moi, ça va être compliqué de l'envoyer vraiment à plat parce que à l'intérieur il y a quand même du relief. Ok, je pense que c'est clair. Ah super, si c'est clair et bien expliqué, nickel. Bon, du coup j'ai gardé ma technique quand même parce que moi j'aime bien le bombé. Je vais déjà venir coller ça, et c'est pareil, ça soit vous le collez à plat, donc pour ce système d'origine, d'accord, soit vous le collez à plat. Et du coup, vous allez pouvoir l'envoyer. Mais si vous le faites trop bombé comme ça et que vous voulez l'envoyer, ça va écraser votre arrondi sur le haut. Ok ? Donc moi, je vais rester quand même sur le 3D parce que j'aime bien. Et que je me dis qu'on peut mettre aussi un cadre. On peut le faire en format cadre. C'est-à-dire que ça peut être vraiment... pour mettre une photo. Donc là, moi, je vais prendre un petit peu un repère à l'œil. Voilà. Et vraiment, ça dépend du bombé que vous souhaitez. Hein. Donc, je le colle comme ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est joli. On peut même le laisser comme ça. On peut ne rien mettre aussi à l'intérieur si on veut l'envoyer à plat et être plus sur le plat en collant. Parce que là, je suis vraiment sur un bombé. Si je le colle, ça va s'écraser. Ok ? Je crois que j'ai trop parlé d'ailleurs. Allez, je reprends la deuxième feuille et je vais venir la coller aussi. Ok ? Donc, je viens me coller. Pour ça, on va mettre de la colle sur les côtés. Et comme le papier design là est très souple, c'est très facile. Ok ? Donc là, à l'œil aussi, j'essaie de me mettre comme ça, mais je peux vraiment pas. Elle va s'écraser, donc j'essaie de le faire à l'œil. Mais ça, c'est vraiment encore un choix personnel. Oh mince, j'ai mis de la colle partout, je parle trop. Attendez. Je me concentre 2 petites minutes parce que je pense que je parle de trop. Hop, je fais des bêtises du coup. Alors, attendez. Du coup, la deuxième est plus compliquée dans mon système hein, que celui d'origine. Hein. Voilà. Mais bon, ça le fait quand même.
Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. On est bien d'accord. Alors, voilà. Et là, on a vraiment un joli relief, un joli bombé. On peut imaginer d'en faire une double comme ça aussi. Et glisser un papier fenêtré de chez Stampin' Up parce que ça arrondit bien. Pour pouvoir glisser une photo vraiment sur ce niveau-là. En fait, coller que les côtés ensemble. On peut imaginer plein de choses après. Je vais venir prendre mon dernier petit bout de papier là. Attention, je vais le coller comme ceci. Ici au milieu, je le fais, je vous montre. Bah, alors, c'est vrai que j'ai compliqué un peu la chose en faisant du relief. Mais après, voilà. Après, il suffit de ne pas monter cette petite chose. Hein, de la même façon que j'ai faite. Hein. Donc, moi, je la monte debout. Et comme la colle Stampin' Up, elle colle très, très vite, ça ne me dérange en rien. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire quelque chose compliqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, après ça se colle, même si vous avez fait qu'un seul pli, ça se colle. Hein. C'est ce qu'on a fait sur la carte d'origine. Hein. Hop. Donc là, j'ai collé le premier ici, je vais me tourner, je vais coller le deuxième. Alors, est-ce que j'ai... Je me suis coupée. Alors, ça a dû partir. Hein, ça a saigné beaucoup ce matin avec le coupe-papier. J'ai glissé la lame sous mon doigt. Voilà. Et des fois, je n'étais peut-être pas assez réveillée, mais j'ai fait une bêtise avec mon coupe-papier ce matin. Ouais, ça peut être dangereux, le coupe-papier. C'est rien de méchant. C'est juste parce que ça saignait beaucoup. Je voulais pas que... Ça a dû partir même. Je voulais vraiment pas que ça mette du son sur mon papier. Parce que à ce niveau-là, ça signe quand même pas mal. C'est pas, même si c'est pas méchant. Voilà. Donc mes deux encoches pour mon 3D sans coller ici. Je vais récupérer mes deux papiers comme ça. Mais avant, moi, j'ai redécoupé ça pour le tamponner. Donc, je vais faire mon tamponnage tout de suite. Et pour ça, je crois que je n'ai même pas nettoyé mes tampons. Alors, attendez. Que je fasse ça bien en public quand même. Je vais nettoyer. Ouais, ça fait mal quand ça arrive. Hein. Oui, je sais. Franchement, mais bon, après, c'est pas bien grave. Mais c'est juste pénible, quoi. Donc, pour changer de l'autre, je vais rester sur le même set de tampons. Là, celui-ci, magnifiquement unique. Tout à l'heure, j'ai utilisé celui-là. Et puis là, je vais utiliser celui-là. Histoire de changer un petit peu. OK? Voilà, histoire de changer un petit peu. On prend celui-ci et... J'ai fait des bêtises. J'avais pas nettoyé tout à l'heure quand j'ai travaillé. Mais, ni vu ni connu, n'est-ce pas? Alors, je nettoie, voilà. Hop, je vais prendre le Copacabana de la même couleur que mon origine de base. Et ça, je vais le pousser. Hop, je vais venir. Hop, ancrer. Comme ceci. On va le positionner comme ça. Voilà, je le trouve très joli aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aimez bien ce tampon. Moi, je le trouve super. Voilà, ça me donne ça dans un premier temps. Et puis, comme on a du noir sur la carte, on va pouvoir mettre le texte en noir. Par exemple, celui qui va toujours avec... Oh oh. Est-ce qu'il y a encore de l'encre? Celui qui va avec le set de tampon. Donc, il y a le bonjour dedans. Moi, je vais me servir de mon papier du dessous pour essayer d'être droite. Voilà. Le bonjour est là. Et ensuite, on va prendre le deuxième qui est merci pour vous remercier de votre présence. Voilà. Je me cale sur mes lignes pour pouvoir être à peu près. Non, pour pouvoir être complètement droite. Pas à peu près. C'est du droit. Donc voilà, ça je ferme tout de suite pour montrer l'exemple. Ok. Et je nettoierai après, mais ça vous le voyez pas. Voilà.
la vilaine. Ici, je viens coller la couleur. C'est ta couleur. Moi, j'adore cette couleur. Je la trouve superbe. Le Copacabana, j'aime énormément. Donc ça, je viens le coller ici. Voilà. Et zut, voilà, j'ai une tache d'encre noire là qui s'est posée là. C'est pas grave, on mettra un brillant tout à l'heure. Eh oui. Bon, pour celles qui me connaissent, est-ce que vous avez vu que je ne me suis pas encore levée? Alors que normalement, je live debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que je fais, c'est je reste debout. Donc là, je vais venir coller ça. En fait, on va mettre de la colle uniquement sur notre petit trait. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous choisissez la deuxième formule où il n'y a qu'un pli au milieu, ça va tenir. Puisque c'est ce qu'on a fait sur le projet d'origine. Donc, on va attendre un chouïa. Hop, on essaie de se mettre droite. C'est quand même mieux. Hop. Sauf que j'ai mis de l'encre partout, du coup, c'est pas bien, Nadia. On va mettre la fessée. Hop, voilà, ça c'est pas bien. Je fais des bêtises. Mais sans bêtises, ce serait pas drôle. Donc voilà, on colle la deuxième au milieu. Je reste comme ça pour pouvoir être face à ma carte. Parce que quand je la mets dans l'autre sens, je ne vois pas où j'en suis. Donc, voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Ouais, c'est ça, Cassandra. Avec mon mal de dos, rester assise, c'est bien. Mais c'est vrai que je reste jamais assise. Je sais travailler speed et debout. Donc, voilà. Voici pour les projets... Le projet d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Et voilà. Alors, est-ce que vous allez le refaire? Dites-moi en commentaire si vous referez la version bombée, la version plate ou même les deux. Pourquoi pas? Ça dépend ce que vous allez en faire, si c'est pour envoyer ou pas. Alors, Nathalie, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as pu réaliser la carte en même temps ou tu la feras après? Ouais, le temps que ça arrive, les commentaires, je lirai tout à l'heure. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je regarderai vos commentaires dans la journée. Je partage sur ma chaîne YouTube Les Heures de Scrap pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui veulent voir le replay. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je disais, Christiane. Pour l'envoyer par la poste, il faut faire la version numéro 1 de ma filleule, Virginie, qui se plie complètement et faire moins le bombé ici pour ne pas l'écraser. Et si tu vois, si tu regardes au début du live, je l'ai expliqué que ma version là, je ne peux pas l'envoyer parce qu'elle est en 3D. Elle ne se plie pas, hein, à cause du support que j'ai mis à l'intérieur et à cause de mon extra bombé. D'accord? Pour faire un léger bombé, il faudrait coller la carte à plat et faire juste le pli au milieu sans faire, voilà, la différence. Mais je l'ai expliqué au début du live, donc tu vas pouvoir le regarder en replay et effectivement l'envoyer si tu as envie. Tu vas essayer de refaire un replay. Nickel les filles, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à 10h. Ciao.